First of all, thank you for welcoming me into your, I guess, your team and your part of rugby. I reflected on what I miss the most about the game, and it's sitting in a changing room like this, about to go out with your friends and your mates that you've trained with, to go and get stuck in and hopefully put a performance and get a result that you're after. But these are the moments that when you finish, you realise that's what's special about playing the game. And I just wish I got that chance to sit in a change room like this again. But I just wish you all the best. I'm really looking forward to watching. And if you come back in here and you've given everything you've got for the team and your mates beside you, then I'm picking you have a good day. Aujourd'hui, c'est quand même un peu particulier. C'est un match important parce que bah, c'est un derby. On sait tous la place que ça peut avoir. Vous avez joué avec les gars d'en face quand vous étiez jeune. Il y a du monde. Mais je pense que le plus important pour vous, c'est de rester concentré sur ce que vous faites et ce que vous allez faire. D'accord ? De faire abstraction de tout ça. C'est un match comme un autre que vous allez gagner parce que vous êtes meilleur qu'eux, vous êtes chez vous et vous allez bien les recevoir. Je pense qu'ils disent 45 minutes, on peut arriver à une demi-heure. Tu penses ? Le défi. Là, on a mis 32 minutes là, pour monter. C'est pas mal. Bon, du coup, toi, la blessure, t'en es où ? Ouais, l'adducteur, je me suis opéré le 2 août. Là. J'avais une petite rééducation à faire. Et là, j'ai eu le feu vert du chirurgien. Du coup, je peux reprendre. J'espère contre vous, ce serait top. Regarde ça, c'est magnifique. Là, la mer, les montagnes au fond, c'est un peu comme chez nous, hein. Ouais. Ça ressemble. C'est top, c'est vraiment top. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être là. Welcome. Lovely, isn't it? Welcome. Welcome to Rugby Park. Yeah. This is where Crusaders are based, which is obviously my club. Played all my career at, one of the most titles in Super Rugby. People often ask me why I didn't go overseas for an experience to play for a club team, maybe in Europe or Japan or something like that. From a rugby point of view, I didn't really have any desire to play for another team. If I was going to play properly, I wanted to play for the teams that I'd always played for. On découvre tout ça, c'est assez immense, quoi. Nous, en petit club, on n'a pas de muscu, on n'a rien, quoi. C'est pas pareil. Pas pareil. Why do you think Crusaders have such a good production line? Why have they been so successful? The very first year of Super Rugby, which was the first year it went professional, the Crusaders got last. And then Wayne Smith, who's obviously had a long career of coach, he became coach. And I think the way he brought the guys together is in a culture that they all played together. One of the sayings, you know, that the team's more important, or that, you know, a champion team will beat a team of champions. That's the type of ethos that's here. You know, you look at the lineup of players up there that all played over 100 games here, pretty much all of them have been All Blacks. You know, they've obviously been good All Blacks.
So this is my sister's farm. My parents owned a farm here at Christchurch. I grew up rurally, sort of part of the backbone of New Zealand, and obviously in a rugby sense, a lot of the early All Blacks all came from farms. You know, they were sort of used to being outside, tough, sort of strong men who used to play rugby and end up playing the All Blacks. This is my sister Jo. Nice to meet you. Hi, Shelby. Matt. Hi. Matt. Let's go. Hi. Yeah. Let's go. So it's my husband's family farm that's been around in their family since 1862, so been a while. So be one of the older family farms in the country, really, almost, wouldn't it? It would be one of the older ones, yeah. So these are about 6 days old. Oh, so really? Yep. So you can go in, they'll... Gee, brand new. She is brand new. She was born last night. Shit at the back there. Yeah. I'm not helping at all here. Do you have shoes? Ouais, ouais, un petit peu. Ouais. Toi aussi un peu. L'odeur, je te dis pas l'odeur. Smell it, it's got a sweet smell. Yeah. I thought you were going to stitch me up right there, just get a bag. There's a part of me that you go, oh, it'd be lovely to be on the farm and, you know, do all this sort of stuff, but it's not a decision you make just to go, oh, I'll give it a go for a while. It's a career that, you know, you need, if you're going to commit to it, like you guys have, you know, it's a 7 day a week, 24/7, and yep, you can organise it to get some time away, but it's constantly there. And did a agricultural science degree, university, that was my, I was always going to go back to the farm, but rugby sort of changed my outlook, and probably for the better. I think the biggest thing that we were blessed with as a family was we both, mum and dad, having sold the farm prior to probably his full international career. I think mum and dad were there for 90% of your games, and as I was able to join for at least, you know, 50 to 60% of them. If we'd still had the farm, there's no way dad would have been able to leave and follow the rugby like he did. Around, so, yeah. You know, although it was sad not to have the farm, it meant they could travel around and see things that they wouldn't have normally been able to, so it was quite cool. To be fair, to be there to watch them share in every high and the low. I was lucky in the sense of being a sister. You know, I could just enjoy the game. I think every World Cup, just. So, very lucky. Emotionally, kind of, yay. Sorry. It was, you know, it was great to see the finished on a high, and that last final over in London to celebrate, because we all knew that it was. Remember, it gets it out the side. I know. No, well, I'm happy for you. Lou, I'm crying. It was actually the wind, but... I do like saying that my last game of rugby ever was a World Cup final that we managed to win, so I'm sort of going to stick with that. I've been asked a few times to play Golden Oldies or in the classics, but I figure that my last memory of being a World Cup final was a good one to have. C'est magnifique. Yes. Le peuple Vezo, ils considèrent dans leur croyance que ce sont les descendants d'un pêcheur et d'une sirène. Je suis Vezo. Je suis Vezo. Je suis Vezo. Je suis Vezo. Et Marcelia, c'est son père qui a brisé un tabou
puisque les jeunes filles ne vont pas pêcher. C'est pas loin. C'est où? Au rocher? Oui. Quand elle était petite, il y avait de la frustration. Et son père, en fait, s'est dit, voilà, tant pis, je vais briser cet interdit et je vais l'amener avec moi. Et c'est la seule du village et c'est la seule de toute la côte, à savoir faire de la chasse sous-marine. Allez, on peut se Elle a pris la fuite. Elle te l'a chopé au vol. Hop. C'est n'importe quoi tout ce poisson. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment on va rentrer après. Vous êtes prêts ou pas? Oui. Allez, la course. Cibourg contre Saint-Pé. Oui. Un, deux, trois. Mais t'as gagné la course, normalement. Il faut être donnant-donnant. T'as gagné la course. On a dit dans le bateau, celui qui gagne la course, il gagne le match. Ça, c'est le poisson qu'on a pêché ce matin. Oui. C'est bon, Marcel. C'est très bon. Tu peux dire merci à ta maman. Misocha. Misocha. C'est bon. Très bon, très bon. Non, vraiment, vraiment. C'est très parfumé. Dans plusieurs semaines, and out, Nicolas, ils vont jouer l'un contre l'autre. Tu penses, qui c'est qui va gagner entre Nicolas et moi? Je sais pas. Égalité. Il faut dire Saint-Pé. Saint-Pé. Mais nous, on joue contre, et après on se rejoint après le match et on fait la fête tous ensemble. Je t'explique. On a été copains pendant ces quelques jours. Là, il n'y a pas d'amis. Là, je t'explique. Là, je vous enfile plein la tronche. Ok, allez. Ok, on fait ça. Ok. Allez. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, yo. Joli, joli. Je suis allé à la maison.
Muzhairu avoco, salam mito falha gente feita com ma falha gente Mariana. Et dis-moi Mariana, toi tu es du village aussi? Je suis Vezou, mais pas d'ici. Moi je viens de Tuléar, mais je suis ici pour apprendre le rugby aux enfants. Le rugby m'a permis de changer dans ma vie. Parce qu'il y a mon père qui est alcoolique et quand il est ivre, il rentre chez nous, il bat toujours ma mère. Et moi, en tant que fille et même mes sœurs, on n'osait pas lui dire parce que c'est notre père. Mais après, grâce au rugby, là, je passe beaucoup de formations et en plus beaucoup au niveau de l'égalité, d'émancipation. Ça m'a poussée et j'ai osé lui dire que « Papa, il ne faut plus que tu fasses du mal à notre mère parce que ça nous fait mal aussi à nous et que ce n'est pas bien. » Et ces jours-là, c'était un peu risqué et difficile de lui dire. Il t'a répondu quoi? Il m'a dit « C'est vrai ce que tu dis. » Et que il va changer et il a tenu parole. Jusqu'à maintenant, il ne le fait plus. Et ça m'a rendu fière, moi et à lui. Et là, c'est le rugby qui m'apporte le plus, ces changements-là, dans ma famille et dans ma vie aussi. Non, mais c'est beau que tu t'accroches comme ça avec le parcours de vie que tu as. C'est extraordinaire parce que moi, franchement, j'ai eu une vie facile. Quand je vous entends parler de vos vies et tout, je me dis que moi, je vis au pays des bisounours, quoi. C'est exactement à quoi je pense. De vous entendre dire ça et vous voir là où vous en êtes, c'est... C'est exceptionnel. C'est une émotion, c'est... Je trouve que tu as énormément de courage. Énormément de mérite, ouais. Du courage et du mérite, exactement. Tu vois, j'ai joué contre des joueurs très, très forts. Très, très forts. Des John Alomou, des Johnny Wilkinson, des McGuito, des voilà, plein d'autres joueurs. Mais toi, je te trouve très, très forte. Merci. Beaucoup. Comme tu veux, je te fais confiance. Marcilla, tu as appris où à couper les cheveux? Marcilla, tu peux arrêter, c'est bon, c'est parfait. Bravo, bravo, merci. C'est bon. Dégage-le, toi. On dirait une sucette qui est tombée sur la moquette. Hey, que t'es marrant. Ils sont jaloux, c'est tout. Que moi, j'ai des cheveux et pas eux. Ben, là, t'en as plus. On dirait Tchoupi. Tchoupito. En basque, Tchoupito. Quand tu vas montrer ton passeport, il va y avoir un problème. En fait, t'as tout vla, il y a une jeune fois que j'ai quitté. C'est bon? Oui. Ouais? Merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on va rentrer chez nous en France, on aura quelque part un souvenir de vous. Dans notre tête, mais surtout dans notre cœur. Déjà, la gentillesse, le sourire, ils ont le cœur sur la main. Là, j'ai que de l'émotion, là, c'est... J'ai pris une claque, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont heureux. Des fois, ça prend aux tripes, parce qu'ils ont presque rien dans la vie, et on dirait qu'ils sont plus heureux que nous, quoi.
pourra toujours raconter notre voyage et tout, mais on ne pourra jamais décrire les émotions qu'on a eues. Bonjour, bonjour, bonjour. Thomas. Yep. Ça va? Ça va et toi? Très bien, enfin, merci. Oui, super fort. Oui, enchanté, toi. Tu se passes bien? Ben ouais, ça va, nickel. Je t'attendais pas à te voir à Imaran quand même. Et voilà. Je ne sais pas que tu viendrais chez nous à Imaran. Alors, je veux te prendre là pour parler. Allez, un peu, c'est bon? Très bien, nickel, on y va. On va. Et tu es capitaine? Ouais, c'est moi qui suis capitaine, ouais. À 24 ans, c'est intéressant. Thomas, c'est moi qui l'ai choisi comme capitaine. C'est un peu le plus vieux des jeunes, donc pour moi, c'était légitime qu'il soit capitaine. L'année dernière, voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a eu du mal à prendre sa place, a eu du mal à prendre le côté leader. Il faut qu'il se fasse respecter. Il ne faut pas baisser la tranche. Il faut qu'il bombe le torse et il faut que ce soit vraiment le vrai patron. Il fait bon vivre au Pays Basque. Les occasions de se rassembler sont nombreuses, comme celle de profiter de ce que la nature offre ici. Ça va? Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Enchanté. Enchanté. Dis-moi, je veux savoir un peu plus par rapport à ce que tu fais là dans la mer. Petit, j'avais une petite barque. Je partais tout seul ici, bon, je restais dans la baie, tout ça. Tout seul? Ouais. Ah oui? Tu vois, je suis bien à terre. Oui. Mais je suis mieux quand je suis en mer. Le rugby fait partie de l'ADN local, comme la fête, la montagne et la mer. Moi, j'aime beaucoup aller en mer tout seul. T'es tout seul, ben, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Et il n'y a personne pour te dire, il faut faire ci, il faut faire ça. T'es libre, quoi. Le poisson du pays. Au point que les Basques en oublieraient presque parfois leur chance et ce que ce sport apporte à leur vie. Salut, ça va? Thomas, enchanté. Thomas, pareil. De Cibourg? Ouais. Rien de tel qu'un peu de perspective pour se le rappeler. Salut les gars. Salut, Thomas. Voilà. Bonjour, Thomas aussi, du coup. Thierry. Thierry de Sautoir. Meilleur joueur du monde 2011, né en Afrique, célébré en France, emmène nos deux Thomas en Afrique du Sud, où le rugby joue depuis toujours un rôle majeur pour l'ensemble de la société. Symbole de la ségrégation raciale durant l'apartheid jusqu'au début des années 90, il fut ensuite l'un des moteurs de la reconstruction de la nation arc-en-ciel voulue par Nelson Mandela. Point d'orgue, la victoire à domicile lors de la Coupe du Monde 1995. The president to the captain. Wonderful moment. Merci. Merci. Pas mal ce petit stade. Putain, on dirait billard quoi le truc. Piscine. Il y a une petite piscine. Toboggan. Ah, il y a les joueurs qui sont en train de manger là. C'est vrai qu'ils sont tous costauds ici quoi. Toi, t'as été capitaine depuis combien de temps à Saint-Pierre? Depuis cette année. Hein. C'est nouveau pour toi alors? Ouais, c'est un peu nouveau ouais. Et moi, je suis pas quelqu'un de très très expressif quoi. Donc bon, c'est vrai qu'au début, c'était un peu forcé quoi. Mais là, ça commence, tu sais. Maintenant, tout le monde m'écoute à peu près et tout, donc. Moi, j'ai le même caractère que toi, donc. Après, j'ai dû me forcer pour communiquer encore plus. J'intervenais beaucoup dans la semaine, en revanche. OK. Parce que, comme je suis très observateur, je sentais, tu vois, s'il fallait mettre un coup de stress, au contraire. Donc, ça, je faisais beaucoup.
Mais le jour du match, je parlais moins quand même. Okay. Parce que je sentais que ça m'enlevait de l'énergie, moi, pour ce que j'avais à faire après ma concentration, tu vois. T'as vu là, c'est Sia Kondi qui va rentrer. Bah, c'est la classe quand même. Vous aimez bien comme quoi? Ah ouais. Ah ouais. Symbole des symboles, Sia Kolisi. En 2019, les Springboks remportaient la Coupe du Monde avec, pour la première fois, un capitaine noir à leur tête. Une troisième ligne encore, mais surtout, un homme qui a fait de sa vie une mission. Good to see you too. Are you ready for the bride? What about you? It will be my first time, so okay. I'm going to enjoy it in your house. Oh yeah. Okay, I'm gonna go in and then I will send you a pin to come in. Oh, you can follow me. Good to see you. Record good a bit. Yeah, I'll see you now. Yeah. That's it. J'étais avec Sia là et il nous invite à aller chez lui manger un braai, ça vous dit ou pas? Ouais, ouais. Bon, pas, ouais. Bien sûr. Je dis que c'est ok, je vous confirme. Ouais, vas-y, tu peux prendre rendez-vous. Vous êtes sûr? Ouais. Food and shoes and everything was a problem for me. Bonjour. Comment ça va? Tranquille. Clément.